Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du séminaire que je refais au mois d'avril et au mois d'août, puisque j'ai eu tellement de demandes que je n'ai pas pu prendre tout le monde. Avril 2017, août 2017, inscrivez-vous vite sur www.oliviermadelrieux.com sur comprendre les mécanismes financiers qui vous empêchent d'acquérir la dimension financière que vous souhaitez. En effet, la programmation inconsciente que vous avez eue dans votre enfance entre 0 et 7 ans, qui s'est manifestée ensuite entre 7 et 14 ans, a fait que vous êtes basé et resté bloqué sur des archétypes familiaux, sur des archétypes financiers et de types d'individus, de personnes que vous rencontrez. Donc aujourd'hui, beaucoup de livres parlent effectivement comment gagner plus d'argent, loi d'attraction. Ce n'est pas ça dont on va parler, mais on va parler de l'inconscient. C'est-à-dire de techniques puissantes, non pas pour travailler sur les croyances, ce n'est pas ça, ce n'est pas les croyances qui sont importantes, c'est ce qui a été enregistré sur le disque dur entre 0 et 13 ans. Et ça, vous ne pourrez pas le déprogrammer si vous n'utilisez pas des techniques particulières, puisque c'est inconscient. Voilà, donc si vous voulez passer à d'autres niveaux, si vous ne comprenez pas pourquoi à chaque fois que vous gagnez la dimension que vous souhaitez, vous passez de 3 000 à 5 000 euros et à ce moment-là vous rencontrez une personne dans votre vie qui en fait va vous ramener à 3 000 euros. Je connais dans mes clients des personnes qui sont passées de 50 à 90 000 euros, patatras, elles rencontrent à ce moment-là une compagne ou un compagnon qui va les amener par le divorce qui va suivre ensuite ou par un certain nombre d'impéripéties, à passer de 90 000 à 50 000, comme si quelque part, elles attiraient inconsciemment des événements, des situations, des personnes pour les ramener au, on va dire, thermostat, c'est-à-dire là où elles sont branchées sur la fréquence financière qu'elles ont inconsciemment enregistrée dans leur vie. Voilà, pareil. De l'autre côté, vous pouvez effectivement être une femme et attirer des hommes qui vont vous propulser d'une certaine manière et qui vont vous faire vivre d'autres situations qui n'étaient pas prévues. Voilà. Et ça, c'est inconsciemment enregistré. Alors à la fois dans l'hippocampe avec un certain nombre de terminaisons, on va parler celle des amygdales au niveau des émotions, mais pas que. Et si on ne va pas agir sur le gyrus antérieur droit ou le cortex antérieur, eh bien vous n'allez pas pouvoir déprogrammer, ce qui va vous créer une vie qui est encadrée en fait dans des rails. Vous avez un plafond et un plancher et votre vie se situe en oscillation entre ceci. Chaque fois que vous allez dépasser par votre puissance de volonté ce plafond, ben, irrémédiablement vous avez des événements, des situations qui vous ramènent dans l'intervalle. Alors si vous voulez être libre dans votre vie, si vous voulez enfin pouvoir avoir la puissance et le potentiel que vous souhaitez dans tous les domaines de votre vie, et pas que financier, ben, il faut apprendre à débrancher les différents inconscients collectifs familiaux qui en fait vous font stagner, et vous font bloquer à des paliers qui ont été faits inconsciemment, dont vous n'avez plus aucun souvenir, et que seules certaines techniques vont vous permettre d'appréhender. Voilà, vous voulez en savoir plus, www.oliviermadelrieux.com. Attention, les séminaires que je fais sur les mécanismes qui sont en jeu au niveau des relations, au haut niveau donc de la finance, de l'abondance financière, sont réservés à 40 personnes maximum. Voilà, il n'y aura pas la place pour tout le monde, donc il y aura 2 sessions l'année prochaine pour pouvoir contenter le maximum de personnes, mais inscrivez-vous vite, car je ne pourrai pas accueillir plus de monde. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous découvrirez, si vous vous inscrivez à ma newsletter, toutes les nouvelles et toutes les techniques que je vais vous apprendre au fur et à mesure pour régler votre vie sur la fréquence que vous souhaitez. Merci de votre attention et à bientôt. Bye bye.